Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va tester Bird of Steel, la démo, donc qui est disponible sur l'Xbox Live depuis très peu de temps. Donc là sur cette vidéo-là, je vous montre en fait la première mission de jeu, parce que les deux premières en fait c'est des tutoriels. Donc je vous laisserai le faire si vous avez envie. Et en fait à la fin, je vous ai mis aussi une petite partie, enfin un tout petit bout d'une mission en vue cockpit, parce que je trouve que c'est vraiment bien fait. Et donc je vous laisse découvrir ça. Et pour moi, c'est vraiment un jeu très prometteur. Donc, découvrez bien. La résistance inattendue et forte, mise en œuvre grâce à l'artillerie de l'île de Wake et aux avions restants, força les Japonais à battre en retraite. Les garnisons de l'île subirent peu de pertes. Se rendant compte que la première tentative de débarquement était prématurée, les Japonais continuèrent à bombarder l'île. Trois avions s'envolèrent de l'île de Wake quand le radar détecta un avion ennemi qui approchait.
de journée. C'est bon, on peut tenir. Nous avons échappé à de graves dégâts grâce à l'efficacité des tirs AA et grâce aux actions héroïques des pilotes de chasse, qui n'ont jamais échoué dans le combat contre les attaques d'artillerie lourde. La performance de ces pilotes mérite des éloges. Ils ont attaqué à corps perdu aussi bien les cibles aériennes que celles au sol. Qu'aucun n'ait été abattu résulte du miracle. Leurs avions, il n'en reste plus que deux, sont pleins d'impact de balles. Des avions ont été perdus au cours de deux atterrissages forcés dont les pilotes sont fort heureusement sortis indemnes. Commandant Winfield Scott Cunningham, officier en charge, toute activité navale, île de Wake.
Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié le spectacle. Donc on se retrouvera sur une prochaine démo, une prochaine vidéo pour blogosquare.com. Salut à tous!